Bonjour et bienvenue chez moi. Donc j'aimerais faire un petit je vais faire un petit des petites vidéos comme ça sur des trucs qui peuvent servir, que moi j'achète, que je semble pour moi hein, bien sûr, que c'est du bon, donc ça peut servir, que en tant que survivaliste on en a une certaine utilité. Donc j'aimerais commencer là aujourd'hui. J'ai reçu ce matin donc des boîtes pour mettre des cartouches. Donc c'est des boîtes américaines de surplus, hein, commandées chez ASMC. Donc celles-ci valent 7,99 €. Voilà. Donc j'ai pris deux modèles petits comme ça. Voilà, hein, ça a déjà servi, hein, c'est pas neuf. C'est la particularité donc ici d'avoir un joint, donc c'est étanche, voilà. Donc pour y mettre des munitions c'est très bien. Donc j'ai pris deux petits modèles donc pour y mettre deux petits modèles, excusez-moi du bordel, pour mettre de la 222 et de la 22, voilà, hein, c'est suffisant. Je pense qu'on peut mettre je pense 500 600 cartouches de 222. Là je pense qu'après au moins 1500, 2000 cartouches de 22, hein, je vous dirai ça quand ça sera plein. Voilà, donc c'est les petits modèles pour les petites cartouches et pour les grandes cartouches, donc le gros modèle. Donc voilà, modèle grande taille. Hein. C'est toujours d'occasion, hein, mais bon, il y a de la place, hein, c'est-à-dire que là-dedans, je pense rentrer au moins 600 voire 1000 cartouches de 270 Winchester. Voilà, donc j'en ai pris deux comme ça aussi, donc voilà, donc ça peut vraiment servir. C'est du bon matos, c'est solide, c'est américain, donc voilà, je vous conseille d'acheter ça pour stocker vos munitions. Voilà, donc ça fait. On peut stocker pas mal de munitions. Les munitions, sachant que ça peut se garder, si c'est bien stocké dans ce genre de truc, ça peut se garder entre 10 et 15 ans, je pense. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais enfin, vaut mieux prévenir que guérir. Donc équipez-vous. Voilà, moi j'ai acheté ça. Hein, c'est mon choix. Voilà, donc si vous avez. Un peu d'argent de côté, voilà, ça m'a coûté. J'ai pris les 4 boîtes plus de la paracorde chez ASMC. Ça m'a coûté un truc comme 50 € quoi. Voilà, frais de port compris. Hein. Donc voilà, si vous avez un peu d'argent de côté, que vous voulez stocker de la munition, ça c'est top. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Au revoir, à bientôt sur une nouvelle vidéo.